avec la récupération. C'est bien fait. Oh de Mélan, il a vu la position avancée. Quel but! Oh, le but exceptionnel de Gauthier Mélan. Phénoménal. C'est normal, match historique aujourd'hui. Et attention à ce ballon au premier poteau, le dégagement, ça va revenir. Oh, l'arrêt, l'arrêt, c'est peut-être pas terminé de le ballon qui va être repoussé. Égalisation ici pour Dinor Bohanaïdi. Et peut-être l'un des tournants, soulagement en tout cas du côté de l'Estac. La tension dans le stade Guy Pirriou qui retient son souffle. C'est parti pour Brian Mbeumo. Oh, elle est belle cette frappe. Oh, attention, ça a été dégagé. Et là, voilà le but. Le but à la dernière minute accordé à l'Estac qui vraisemblablement a fait le plus dur ici. Regardez la GA des joueurs de l'Aube. Et j'ai pas vu qui c'était. J'ai pas vu qui c'était ce buteur. Mais il me semble qu'il s'agit de Dinor Bohanaïdi. Incroyable, historique. C'est lancé dans la surface de réparation. Ebrahimi, voilà, on va arrêter ici. Qualification pour l'Estac de Troyes. Saison extraordinaire pour les Troyens qui vont retrouver le Stade Brestois en demi-finale de la Coupe Gambardella. Eux qui sont encore engagés dans le championnat U19 national. Une joie qui tranche forcément avec la désillusion pour l'US Concarneau qui avait tenu, qui a mené au score jusqu'au bout et jusqu'à surtout cette 93e minute qui aura été fatale, bien sûr, pour Lettonie. Regardez.